Salut tout le monde et bienvenue. Mon Dieu, je vais fermer ça. Bienvenue au Vlogmas 2022. Je le fais finalement, je pensais pas le faire. Je le commence. On est le 30 novembre. Cette année, je me suis dit que je pouvais essayer de sortir un Vlogmas le premier. Fait que j'ai filmé un peu cette semaine quand on a décoré notre sapin. La petite bouffe de Noël qu'on a acheté, genre des desserts. Puis, ben là, je filme là. Il est comme midi et demi, je suis sur mon heure de dîner, mais j'ai pas vraiment pris une heure. En tout cas, j'ai travaillé jusqu'à 20. Puis là, je suis chez moi. Je viens chercher. J'essaie de ranger mes cheveux. Je viens chercher mes choses pour mon yoga ce soir. Le mercredi soir, tous les mercredis, je fais du yoga. Donc là, j'ai un cours ce soir. J'arrangerai mes cheveux plus tard. Puis, au travail, on est comme quand même dans une période de rush, on a des événements qui s'en viennent, blablabla. Fait que, dont un qui est demain. Fait que demain, toute la journée, je vais être à une rencontre. Fait que c'est ça. Je sais pas si je pourrais filmer demain, mais bref. Il y aurait les calendriers. Cette année, j'ai le calendrier de Nespresso. J'ai le Lindt, le gros, là, qui est comme du Costco. Puis, j'ai l'Auto-Québec. J'en ai pas de maquillage. Non, j'en ai pas acheté. Puis voilà, fait que ça va être ça. Je sais que vous aimez bien ouvrir des calendriers de l'avant. Moi aussi, j'adore ça. Il y a comme plein de gens qu'on a ouvert sur TikTok aussi. Puis j'y regarde tout le temps. Puis là, bon, je vais me prendre de quoi à manger rapidement. Pourquoi je garde mon manteau? Je suis pas l'envie. Je vais me prendre de quoi à manger, mais je sais pas si j'ai vraiment quelque chose. Un matin, j'ai déjeuné des bagels de chez Renard. C'est les meilleurs bagels. C'est un petit café ici. Puis ils vendent leurs bagels. Ben, tu peux manger sur place, toi, tu peux en prendre un. Mais tu peux quand même en prendre jusqu'à 4 ou 6, en tout cas. Pas cuit, ben cuit, mais pas réchauffé. Puis là, nous, on les met à geler, on achète de temps en temps. Là, ils sont vraiment bons. Tout ça pour dire, j'ai déjeuné ça ce matin. Mais là, je veux aller vraiment chez Renard, parce que ça, c'est des bagels que j'avais achetés la semaine passée, puis j'ai mis au congélateur. Mais là, je veux vraiment y aller parce que... ils vont faire des drinks de Noël, mais je sais pas s'ils ont commencé aujourd'hui encore ou si c'est juste demain ou... Mais en tout cas, ils voulaient faire, je pense, pain d'épices. Ben, ils ont fait voter le monde entre pain d'épices pis menthe, puis c'était comme pas mal 50-50. Fait que peut-être vont faire les deux. Bref. Puis comme je vous dis, il faut mon linge de yoga. J'aurais pu le préparer hier puis l'apporter avec moi, mais j'ai pas fait. Fait que je suis venue ici le chercher. Clairement, il va falloir que je m'assoie puis que, genre, je vous parle. Que je vous donne de mes nouvelles. Mais ça fait des mois que j'ai pas publié sur YouTube. Fait que si vous me suivez pas sur TikTok et Instagram, vous devez vous dire comme où est-ce qu'elle est passée. En tout cas, peut-être que vous y pensez juste pas, là, mais je veux dire, c'est ça. C'est plus facile d'avoir de mes nouvelles sur Instagram et TikTok. Mon Instagram, c'est Annabelle Arsenault, puis mon TikTok, c'est Annabelle Ars. C'est ça une nouvelle chose sur TikTok, mais sur TikTok, ce que j'ai beaucoup de difficultés avec le fait que c'est juste 3 minutes. Moi, là, je parle. Fait que, genre, toutes mes vidéos, on dirait, sont coupées. J'ai pas le temps de dire tout ce que je peux dire. J'essaie de faire, comme, des vidéos make-up et tout ça. Des hauls. Puis, première impression maquillage, genre. Mais les premières impressions, c'est difficile parce que, justement, il y a juste 3 minutes. Parce que sur YouTube, il y a tout le temps du monde. Puis là, ça, ben, j'ai juste ça devant les yeux. Fait que j'ai voulu vous le montrer. Là, ma mère, elle s'est acheté une tasse comme ça. Au Nespresso, elle a fait graver son nom dessus. C'est tellement cute. C'était gratuit. Si on voit, c'était criminel. Puis en fait, ben moi j'avais déjà la même tasse, mais en rose. Puis ben je l'avais pas avec moi à Montréal, fait que j'ai pas pu la faire graver, mais ils me disent que je pourrais la ramener, mais tu sais, comme, en tout cas, je pense pas retourner avec ça, mais elle est vraiment le fun parce que le couvercle, ok, il se met comme ça, puis là, comme ça, c'est fermé, puis ça coule pas du tout, puis comme ça, tu peux boire de tous les côtés. C'est mon modèle préféré, puis j'en ai essayé des tasses. Pour le café, là, je veux dire. C'est vraiment mon top à date. J'ai pris mes choses de yoga. Je me suis aussi changée de pantalon. J'avais des jeans. J'étais tellement inconfortable un matin. Et j'ai mis des leggings. En hiver, on dirait que c'est juste ça que je porte, des leggings Lululemon. J'en ai plusieurs paires. Puis pas mal à chaque jour, c'est ce que je mets. En tout cas, ces temps-ci. Là, on dirait, je sais pas, ça me tente plus de mettre des jeans. Êtes-vous dans le même... feeling que moi. D'ailleurs, au début, j'ai enlevé le bruit, là, quand j'ai commencé, c'était ma machine à glace qui faisait beaucoup de bruit. Je suis plus habituée de vlogger. Oh my god! Comme vraiment que je retourne travailler le plus tôt possible.
Fait que je vais m'en aller me chercher mon café. Fait qu'on se reparle plus tard. Comme je dis, ben j'ai mon yoga puis tout ça. Fait que ça sera juste après. Je vais passer chez Renan. Puis je vous montrerai si il y a bel et bien les cafés de Noël. Puis là, en fin de semaine, il y a le marché de Noël. D'ailleurs, si vous êtes aux îles, peut-être que je vous l'annonce. Samedi puis dimanche, on va voir le marché. Fait que ça, à chaque année, depuis que je suis revenue aux îles, je vous le montre tout le temps. Fait que c'est sûr que je vais vous montrer. Parlant de marché de Noël, là, à Montréal, on avait été à celui à Place des Arts. C'était tellement le fun. Puis j'avais pris un vin chaud. Ça venait dans un verre comme ça qui écrit les marchés de Noël, Montréal. Puis on payait comme 2$ pour le verre. Puis si on le rapportait, ils nous redonnaient notre 2$. Mais j'étais comme, moi, je veux garder le verre en souvenir. Puis là, ben, je me suis sortie. Fromage cottage. Je vais grignoter ça. Puis ensuite, je repars. Finalement, ils ont fait un sirop de Noël avec des épices, en tout cas inspiré du pain d'épices. J'ai bien hâte de goûter, j'ai pas goûté encore comme vous voyez. Puis j'ai aussi pris un cannelé. Bon, ça c'est mon petit cannelé. Oh, on voit pas bien. Mais... ouais. Au café Buvette chez Renard, ils ont commencé à faire des événements spéciaux le mercredi. Puis là, ce soir, c'est la projection d'un film documentaire qui s'appelle Love is Fire, me semble. Puis j'aimerais vraiment ça venir, mais là c'est comme à 7h, mon yoga finit à 5h, fait que je vais voir si je peux. Je sors de mon yoga, c'était vraiment fun, c'était une belle pratique aujourd'hui. À la fin, on fait de la méditation, puis c'était une belle méditation un peu émotive, de genre les blessures d'enfance, puis laisser aller, tout ça, très imagé, là, tu sais, quand on est à la fin, couché sur l'eau. C'était vraiment fun, puis là je vais essayer d'aller faire un ordre. Ça me fait perdre un peu mon temps, j'espère que vous m'entendez avec le chauffage, ça me fait perdre un peu mon temps parce que j'ai plein de choses à préparer pour demain. Puis justement, je vais faire genre le montage, filmer, faut que je prenne ma douche, bien sûr. Puis je prépare mon linge pour demain parce qu'on commence à travailler à 8h à notre événement. Fait que c'est ça, en allant voir le documentaire, je me coupe un peu ma soirée puis je fais en sorte que je vais devoir me coucher plus tard. Mais en tout cas, ça va être vraiment la peine. Fait que je vais aller voir, puis au pire, si c'est trop long, je m'en irai. Voilà, allons chez Renard pour le documentaire. Tantôt, j'ai pas dit le nom comme il faut, mais en tout cas. Ça fait tellement cute, les petites lumières. Donc, je suis arrivée juste à côté. Je me suis parquée juste en avant. J'adore quand je peux avoir ce parking-là. Il y a comme deux spots. Pas besoin d'avoir grand monde encore, mais ça commence juste à 7h. Puis là, il est comme 6h30. Fait que finalement, le film, c'est Fire of Love. Je sais pas comment je l'ai appelé. Mais c'est un documentaire sur deux personnes qui formait un couple, en tout cas un homme et une femme, qui ils trippaient sur les volcans. En tout cas, ils étaient volcanologistes, les deux. Puis ils ont été explorer plein de volcans, puis ils faisaient des vidéos de super proches. Puis en tout cas, ils sont décédés dans une éruption de volcan en 1991. Mais cette année, il y a une fait qu'il a décidé de faire un documentaire sur eux, puis c'est comme très cinématographique apparemment. Fait que je trouve que c'était bien intéressant, ils me l'ont bien vendu, en tout cas quand j'en avais parlé, tantôt à la barista, puis aussi sur les réseaux sociaux. Fait que c'est ça, une petite projection gratuite, puis c'est comme un restaurant aussi en même temps. Fait que je pense pas qu'il va y avoir le menu, ben je sais qu'il y aura pas le menu restaurant, mais il va y avoir comme des petites bouchées, tout ça, des petits popcorn, peanuts, puis vin et cocktails. Fait que je vais aller voir ça. Je vais aller voir si mon amie est là finalement. Elle était censée peut-être venir. Puis il fallait qu'elle parte un peu plus tôt, je pense. Fait que je sais pas si mon amie sera là. Mais de toute façon, sinon, je vais sûrement connaître des gens. Parce qu'on est pas mal les mêmes personnes qui vont dans ce genre d'événement-là. Puis sinon, ben, je connais vraiment bien le staff ici. Parce que je viens toujours, toujours prendre le café. Puis prendre l'apéro aussi les soirs quand il l'a. Voilà. Je suis pas mal là à chaque fois que c'est... Non, j'ai pas à chaque fois que c'est ouvert, parce que c'est ouvert du mercredi au dimanche. Mais j'ai un plusieurs fois chaque semaine, mettons. Je viens d'arriver chez moi. Il est 9h. C'était vraiment bon le film. c'est triste là, parce que ça c'est des volcanologues, c'est une vraie histoire là, puis ils meurent dans une éruption de volcan, mais comme eux c'était leur vie, genre les volcans puis tout. En tout cas, c'est bien bon. Puis me semble que c'était ils montraient à partir de Disney+, fait que si vous voulez aller le voir, ça doit être sur Disney+.
Puis là, je vais rentrer, puis je vais commencer à me préparer. Tu sais, faudrait que je mange, parce que j'ai grignoté du popcorn là-bas, il était vraiment bon, puis le cocktail aussi, miam. Là, entendez-vous à quel point ils vendent mon auto à brasse? Il y a vraiment, le vent s'est full monté, c'était pas de même avant que le film commence. C'est juste comme ça depuis peu, là. Mais ouais, il faut faire attention à nos portes en ce moment-là. À ce moment-là, quand on sort, puis j'ai plein d'affaires. J'ai mon linge de yoga, j'ai mon ordi qui est dans mon sac d'ordi, j'ai ma sacoche, j'ai mon verre de café sale. Il faut tout que je rentre en dedans. Ça me tente pas de faire deux voyages. Fait que je vais m'organiser, mettre ça dans des sacs. J'ai une bouteille d'eau, mais un de mes cups Starbucks, c'est que j'avais de l'eau dedans aussi. Fait que c'est ça. Bref, pourquoi je vous raconte ça? Ah oui, à cause de l'affaire des portes. Fait qu'en tout cas, je m'en ai mis de fou. On se reparle dans pas longtemps. J'ai goûté un petit popsicle comme ça, au pain d'épices. L'autre, c'est vert, puis pain d'épices, c'est comme un genre de jaune. C'est tellement cute, c'est tout petit mini. C'est la crème glacée qui est au pain d'épices. Ça goûte le pain d'épices. Of course. C'est bien bon. C'est parfait que ce soit en petit, par exemple, parce que je sais pas, j'en mange un gros. C'est un peu sucré. Voilà.